Ce soir, j'ai trouvé ça formidable, secret. Je me suis dit, j'aurais besoin d'une chaise. Ça, je me suis dit profondément. Alors, j'inviterai quelqu'un à me tendre une chaise, s'il vous plaît. Alors, bravo, bravo! Merci. Alors, disons que le 5 minutes commence maintenant. Alors, ce que j'inviterai, lentement, les gens, on va faire un jeu assez simple, OK? Je vais, on va tasser ça. Je vais placer une chaise ici, et je vais m'asseoir dedans, et je demanderai à quelqu'un qui a quelque chose à dire contre moi, ou quelque chose à dire pour moi, quelque chose qui a des secrets à dire sur moi. Alors, j'inviterai cette personne à venir me les dire maintenant, ou à me juger. Vous pouvez me crisser, en fait, tout ce que vous pensez de moi. Alors, j'inviterai quelqu'un qui pense quelque chose de moi de venir s'installer ici et de le dire. Merci, Sam. Moi, Guillaume, j'ai toujours trouvé que tu étais un meilleur animateur que moi. Donc, c'est ce que j'avais à dire, mais j'ai pris de la graine de toi. Alors, voilà. On applaudit Sam. Sam qui ne quitte pas la scène, mais qui s'assoit dans cette chaise. Et maintenant, quelqu'un qui a quelque chose à dire sur Sam devra monter et venir le dire ici, maintenant. Alors... J'invite quelqu'un qui a quelque chose à dire sur Sam. Will! Will, tu sais ce qui t'attend à ton tour, hein? Allez, vas-y! Sam, moi, je pense toujours, puis j'ai oublié de le dire depuis le début de la saison, qu'on devrait faire des figurines à ton effigie. Puis pour toi, ouais. Bravo! Will qui va s'installer sur la chaise. Alors, quelqu'un a quelque chose à dire sur Will? Oh, et ça y est, ça roule. Alors, ça se poursuit. Will, pendant la grève, t'as fait une lecture des droits de l'homme pendant une occupe. Je dois t'avouer qu'après l'article 15, je suivais plus puis je baillais tout le long, c'était que c'était long. M'excuse. Bravo! Bravo, ton prénom, garçon, ton prénom? Hubert. Hubert, alors quelque chose à dire, quelqu'un a quelque chose à dire contre Hubert. Sinon, ça y est, ça sera mon tour. OK, Hubert, je te connais pas. Il va falloir que je me rassoie dans cette chaise après toi. Bert, t'as l'air d'un gars quand même qui a des convictions. Ça veut dire, tu parles de grève, tu parles d'un 70$ de plus par année. Combien tu vas dépenser ce soir ici? Voilà! Alors on invite Hubert à partir, mais il a gagné un pichet, hein? On a été les deux gagnants du pichet et on se retrouve sur scène. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire encore sur moi? Attention, on a un garçon là, qui est venu de loin. Gab, tu seras le next. Le gros, man, je te connais pas, mais check tes cheveux puis va recoudre tes pantalons, ça n'a pas de sens, man. Ton prénom, c'est? Alexandre, quelqu'un a quelque chose à dire à Alexandre. Allez, les choses enfouies. Ce sera pas encore mon tour, là. Commande. Allez, quelqu'un, n'importe quoi, vous le connaissez pas, qu'est-ce que vous pensez de lui? Ouais! Yeah! Les poissons sont braves. Les poissons meurent par milliers au large du Groenland. Alexandre manque de courage. Il manque de courage. Rappelle-moi ton prénom. Paul. Quelqu'un a quelque chose à dire sur Paul? J'ai l'impression que oui. Allez. Quelque chose sur Paul. Il nous reste environ 2 minutes. Ça y est. Alors, vas-y, ma belle. Oui, salut Paul. Je voulais juste te dire que tes premiers 3 règles, j'avais beaucoup de difficultés à les suivre. Je trouvais ça très monotone, mais heureusement, ça s'améliore beaucoup avec le temps et ton dernier était excellent. Ouais! Merci, Caro, c'est ça! Alors, quelqu'un a quelque chose à dire pour Caro, s'il vous plaît? Quelque chose à dire pour Caro? Je sais pas, moi, sa coupe de cheveux, ses lunettes, peu importe. Caro, je trouve que t'as tort. Moi, je trouve que Paul fait vraiment des bons textes. Bravo! Bravo! Alors, vous avez compris un peu la loupe. Il y a sûrement quelqu'un qui veut bitcher. Là, il faudrait commencer à être plus raide. C'est beau, les belles affaires, mais il faut commencer à bitcher le monde, OK? Allez! Yeah, Will! Second time! Avec quelqu'un qui veut rentrer dedans pour Will, là, sachez que c'est le prochain. Pensez-y. OK, moi, Marie-André, je voudrais dire que j'aime beaucoup ton univers, mais tes textes sont trop longs. Yeah! On commence à être bitch, Jean-Marc Roy. Allez, ouvre-toi la gueule, G. Ah ouais, comment Jamal? Comment Jamal? Jean-Marc, comment? OK, Will, juste te dire un truc très sincère.
C'est beau vouloir penser pour toute l'humanité, mais commence par penser pour toi. Ça venait de moi, alors quelqu'un me rentre dedans maintenant, allez! Quelqu'un me rentre dedans, mais pas Will. Il nous reste environ 30 secondes. Non, c'est fini. Ah, quelle merde, c'était un très bel exercice, tout le monde. Sachez que vous pouvez faire cet exercice-là à la maison, dans des soupers de Noël, n'importe où. C'est une activité vraiment éducative. Merci à Sam de m'avoir permis de vous faire chier un peu plus. Merci.